Aïe, tu as perdu des photos de ton appareil que tu aimerais bien sûr récupérer. Et bien dans ce tutoriel, je te montre comment c'est possible. C'est parti. Vous allez vous procurer l'application DiskDigger et une fois qu'elle sera installée et ouverte, elle se présentera comme suit avec trois options dont le scan basique, le scan complet qui nécessite un mot de route et qui est beaucoup plus performant et une option pour libérer de l'espace. Mais nous allons nous diriger vers le scan basique. Donc une fois qu'on a cliqué sur ce bouton, l'application va scanner et nous afficher toutes les images qu'elle a pu retrouver. Et bien sûr parmi elles, les images que nous avons supprimées. Donc ce qu'on va faire, c'est rechercher les images qu'on souhaite restaurer. Et pendant ce temps, l'application continue à chercher. Ok, donc là le scan est terminé et l'application m'a retrouvé 658 photos. Je crois que ça aurait été beaucoup plus si j'avais routé mon téléphone. Mais ce n'est pas grave, je vais rechercher une photo que je vais sauvegarder. Donc je vais prendre celle-ci et celle-ci, non, une seule, pourquoi pas. Vous pouvez aussi vous balader bien sûr dans les menus contextuels ici et faire ce que vous voulez du fichier. Donc moi je vais essayer de restaurer cette photo en cliquant sur Recover. Puis la deuxième option pour enregistrer directement dans ma mémoire interne. À partir de là, je choisis l'emplacement où je veux enregistrer le fichier, où je veux le restaurer. Bon, je vais choisir le dossier Pictures, sélectionner tout. Et là, OK. Le fichier a bien été sauvegardé. Je vais donc aller vérifier ça tout de suite avec mon explorateur de fichiers, ES Explorer, qui me montre déjà qu'il y a bien bel et bien une nouvelle image qui a été enregistrée dans mon système et qui se trouve dans le dossier Pictures. Bien, voici l'image en question, elle a bien été restaurée. C'était donc Mighty Fake pour ce mini tutoriel et on se dit à la prochaine si tu es abonné à la chaîne. Ciao.